Mes chers amis, je viens à peine de me réveiller et après un petit tour fait sur les réseaux sociaux, je constate que Charlotte Dipanda, la reine et l'icône de la musique camerounaise, a été demandée en mariage. Et tenez-vous prêts, ce n'est pas n'importe quelle demande en mariage qu'on fait dans les bars ou bien, je sais pas moi, dans les endroits horribles là. Une demande en mariage bien classe, respectueuse de la femme qu'elle est. Bref, on va pas trop parler, hein. Regardons ensemble cette somptueuse demande en mariage et bien évidemment, comme d'hab, après, on va commenter. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ils sont simplement assis dans le temps que les premiers sont dans le sens que la suite n'est pas très bien. Alors là, tu es filmé. Tu vois que maintenant, à ce jour, ils ont les oreilles et ça se voit que ce n'était absolument pas leur tube. Parce que voilà, ils ont tous fait la sieste et à ce moment-là, le test arrive et ils proposent un plateau avec un petit coffre à l'intérieur et là, ils ont tous fait. Voilà, on pourrait croire que ce soit pas très bien. Avec tous vos vœux de bonheur. Bravo. C'était bravo, madame. Toutes nos félicitations. Elle était dans la boucle, madame. Avec votre magnifique petite belle fille. Bravo à tous. Mais tu rajoutes que tu as pleuré aussi. Félicitations. Ben merci, merci. Toutes nos félicitations, madame. Honnêtement, les amis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le parcours de Charlotte Dipanda m'inspire énormément. Je me rappelle plusieurs années antérieures, elle avait été victime d'énormément de spéculations, des gens qui avaient été dire que voilà, elle était bilingue, tout simplement parce qu'elle n'affichait pas de relation, elle ne montrait pas de gars. Mais avec le temps et le recul, on comprend tout simplement que elle n'affichait personne, elle ne montrait personne parce que ce n'était pas la bonne personne. Certes, elle était peut-être en couple, elle a eu à avoir des relations comme tout le monde, mais elle n'était pas sûre de ces relations-là. Vous verrez que elle a présenté son fiancé actuel sur les réseaux sociaux et on voit clairement que c'est du sérieux en fait. C'est un monsieur respectueux qui l'aime, qui la valorise et hop, à peine 3-4 mois après, il la demande en mariage. Donc ça prouve que elle a exposé cette relation parce qu'elle était sûre. Et aussi, vous verrez qu'elle n'a pas du tout eu à changer pour le monsieur. Le monsieur l'a connue comme étant une femme très naturelle, très belle, très simple et tout. Et elle est restée dans son style. Donc, à vous les filles Mbrakata du quartier, là, sachez que lorsque vous rencontrez un garçon, il vous trouve tel que vous êtes. Et ensuite, commence à vous demander de faire le njansan, de faire une augmentation mammaire, de faire ci, de faire ça. Sachez qu'il ne vous aime absolument pas. Parce qu'un homme qui vous aime vous respectera toujours tel que vous êtes, il vous aimera pour votre comportement et même pour ce que vous êtes. S'il vous a trouvé avec des cheveux naturels, il vous aimera comme ça. S'il vous a trouvé avec un teint noir, il vous aimera comme ça. Donc ne commencez pas à aller courir à gauche et à droite, acheter Lala Claire, Rapide Claire, 72 heures Claire, juste voilà pour plaire à un homme. Restez tel que vous êtes et s'il vous aime vraiment, il sera à vous. Donc moi personnellement, c'est ce que je retiens de Charlotte Dipanda, une femme douce, une femme belle, extrêmement belle et naturellement, s'il vous plaît, une femme respectueuse, respectable. Non mais franchement, elle a tiré la perle rare et j'aime la manière dont elle vit sa vie avec simplicité, sans trop en mettre plein la vue, sans se vanter, sans, je sais pas moi, tirer la sonnette d'alarme et tout.
Vraiment, en fait, leur couple, vraiment, c'est un supplice, un délice, en fait. Tout est fait dans la simplicité de la chose. Même la demande en mariage, c'était un truc simple. Ça aurait été d'autres personnes, ils auraient fait un truc, waouh, oh, j'ai acheté la bague à 250 millions, la dot est montée, descend et tout. Franchement, Charlotte Dipanda, je te souhaite énormément, énormément de bonheur. Et ça prouve encore à quel point on ne doit pas se précipiter dans la vie, en fait. C'est pas parce que l'âge avance qu'on va chercher à se caser avec n'importe qui. La preuve, voilà Charlotte Dipanda qui se fiance à 37 ans. Les filles d'aujourd'hui ne savent plus attendre. C'est-à-dire que c'est elle qui a 18 ans, c'est elle qui a 2 mois de relation avec un gars. C'est-à-dire que non, bébé, tu me fiances quand? On se marie quand, mon frère? Attends! Ton tour va arriver. Quand ce sera le bon, tu n'auras même pas à demander ça. D'accord? Donc les filles, essayons voilà, d'être tranquilles et ça va aller. En tout cas, merci à toi, Charlotte Dipanda, d'être un exemple pour beaucoup de filles et la jeunesse actuelle qui ne connaît que la dépravation, teinter les cheveux, aller en boîte de nuit, faire n'importe quoi et j'en passe. Tu es l'exemple même là de la femme africaine et sincèrement, j'adore ton comportement, j'adore ta manière de penser, ta manière de vivre et sincèrement, je pense que c'est à cause de ce comportement-là que ce monsieur est venu vers toi en plus de ta beauté. Et croyez-moi, cette union ne peut que perdurer des années et des années et des années. Et c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite, énormément de bonheur, énormément de succès, énormément d'enfants, que vous baignez dans le bonheur et que le bonheur ne vous quitte jamais. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de la demande en mariage de Charlotte Dipanda? Est-ce que vous avez aimé? Et surtout, les filles, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est le lieu où vous souhaiterez être demandé en mariage. Est-ce que c'est dans l'avion? Est-ce que c'est au bord d'une plage? Est-ce que c'est dans un bar? Bref, mettez-le moi en commentaire. Et pour ma part, je vous dirai également en commentaire parce que je suis pas trop sûr, donc je vais essayer de réfléchir et je vous le dirai en commentaire. Likez dans la vidéo, partagez au maximum, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!